pouvoir le faire. Amen. Amen. La personne que je vais vous présenter, c'est une personne très chère pour moi, pour ceux qui savent déjà. C'est ma mère spirituelle, elle vient du Congo. Elle est au milieu de nous. J'avais souhaité, comme elle est pasteur, de pouvoir nous parler aussi de la part de Dieu. Amen. Amen. J'appelle le pasteur Béni Kapinga. On attend très bien.
Bien-aimé, toujours le banaton en allégant. Bien-aimé, nous allons parler ce matin. Naïebi Bassi va présenter Ngan. Je sais comment tu as présenté. Moyenna, le Bassi Sousenzate, Naïebi qui Naza Nanda Koya Papa Nanga. Il n'y a pas moyen d'en dire plus, je suis dans la maison de mon père. Naza Liboso Naliboto Yonza Mbappé Sanga Nangolo. Je suis devant la famille que Dieu m'a donnée par grâce. Amen. Laisse que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Amen. Dans lire la parole de Dieu qui nous a réunis sans plus tarder. Nous allons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est Dieu lui-même. Nous sommes dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 13, versets 15 à 16. Hébreux 13, 15 à 16. Amen. Nous lisons donc Jésus. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc, quelle source est dans Romains 12? Nous sommes dans Romains au chapitre 12. Romains chapitre 12. Versets 1 à 2. Versets 1 et 2. Et puis, verset 8. Et le verset 8. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Troisième. Nous autres dans la Bible, dans Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, verset. Verset 23 à 25. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête des Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, notre thème ce matin c'est sur les sacrifices. C'est sur les sacrifices bien-aimés. Celui qui est appelé, celui qui est appelé aussi à passer par les sacrifices. L'or ne peut devenir or si ça ne passe pas par le feu. Amen.
Tu ne peux pas devenir un homme de Dieu si tu ne passes pas par le feu. Tu ne peux être un homme de Dieu que si tu marches comme quelqu'un qui a mis à part un sacrifice. Si tu sais que tu as mis à part, tu ne marcheras pas comme tout le monde. Tu ne parleras pas comme tout le monde. Tu feras les choses comme seulement toi. Les autres diront que tu es fou. Comment il marche? Les autres sont à gauche, lui il est à droite. Dis-leur que moi je suis déjà sacrifié. Comme je suis un prophète de ma famille, je suis sacrifié. Comme je suis un David de ma famille, je suis sacrifié. Comme je suis Abraham, je suis sacrifié. C'est pour ça que ma vie ne marchera pas comme la vie de tout le monde. Ma vie est de ma manière. Mon raisonnement est le mien. Ma façon de faire est le mien. Je suis comme mon maître à mes conduites. Parce que celui qui est en train de se faire, c'est le Christ qui est en train de se faire. Nous avons vu, bien aimé, comment la parole de Dieu nous a dit. Ceux qui ont retenu la Bible de Genèse à Apocalypse. Si nous verrons dans cette Bible de Genèse à Apocalypse, tous ceux qui ont marché avec Dieu ont été élevés. Si tu marches avec Dieu, tu marcheras selon ses principes. Ta vie sera changée. Que le diable le veuille ou pas, ta vie changera. Il te suffit de suivre les principes. Celui qui est à sacrifier le principe. Celui qui possède sa femme pour lui ne peut pas manger de l'eau. Celui qui a pour lui ne peut pas dormir de l'eau. Tu ne sortiras pas par sa femme, tu ne sors pas. Celui qui marche sur le Saint à l'écoute du Saint-Esprit. Il n'écoute pas une personne, mais il écoute le Saint-Esprit en lui. Bien-aimé. On a vu Abraham marcher avec Dieu. On a appelé aujourd'hui fils et filles d'Abraham. On a cru en lui qu'il était son père en la foi. Parce qu'il a obéi à Dieu. Il a marché avec Dieu. C'est pourquoi son nom est écrit dans la Bible. Laisse que tu ne fasses pas une aperçue que tu n'as pas la génération. Que tu influences ton passage sur la terre. Ne passe pas une aperçue que tu marques ta génération. Il y a une personne qui était. Une personne qui était. Une personne qui a ouvert un chemin que tous ont suivi. Il y a une seule personne qui paye le prix. Vous pouvez être jumeau. Mais il y a un seul. Il a sa façon dont Dieu l'a appelé. La façon que, dont Dieu le voit. Amen. Soyez bénis, bien aimés. Amen. Ce matin, nous voyons celui qui est appelé dans Hébreu, on nous a dit il a donné son corps comme sacrifice. C'est une personne qui loue Dieu dans toutes circonstances dans sa vie. Louange est sa vie. La louange est sa vie. Aza malade, aza. Il est malade, il chante pour Dieu. Il n'a pas mangé, il chante pour Dieu. Il est dans la joie, il chante pour Dieu. Aza lela. Il pleure, il chante pour Dieu. Il chante après, il pleure. Il dit, Dieu, tu es tout pour moi.
Tu es celui qui contrôle toutes choses dans ma vie. C'est lui qui est sacrifié. Il ne se regarde pas, il regarde Dieu en lui. Ses yeux sont fixés sur la croix là où quelqu'un est mort pour lui. Si ce n'était pas Dieu, est-ce que je serais en vie? C'est-à-dire, bien aimé, cela veut dire. On nous dit, tes lèvres doivent porter un fruit bon. Vous savez, comme Dieu nous a appelés, c'est lui qui est appelé pour un sacrifice, n'a pas de bien privé. Tout ce qui vient dans ses mains, il dit que ça vient de Dieu. Il se réveille, il dit il est appelé parmi les vivants. Tout ce qui passe par mes mains, c'est Dieu qui me les donne. Partout foulera les plantes de mes pieds, Dieu me les donnera en possession. Tout le temps que je frapperai, Dieu me l'ouvrira dans le chemin de Dieu. Sa vie est comme ça. Il voit que c'est Dieu qui est tout pour ça. Si je suis marié, c'est par la grâce de Dieu. Si j'ai étudié, c'est par la grâce de Dieu. Si je suis élevé, c'est par la grâce de Dieu. Si je suis en bonne santé, c'est par la grâce de Dieu. Si je dors, je me réveille, je regarde mes enfants, c'est par la grâce de Dieu. Il a une façon dont ses yeux voient qui est différente des autres. C'est pourquoi Dieu dit, n'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi, que tu aies cette liberté de les partager avec les autres. Ce n'est pas que tu dois te dire j'ai fait tout sauf ceci. Ça, c'est le modèle de notre famille. Nous, on a grandi comme ça. La parole de Dieu nous dit, car c'est un tel sacrifice que Dieu est grand plaisir. Amen. Bien aimé, ce qu'on m'y peut. Si tu ne te refuses pas, bien aimé, aime Dieu plus que toi-même. Dieu t'a déjà aimé avant que tu naisses. Beaucoup sont morts au Covid, mais nous sommes restés. Peut-être les péchés que nous avons commis, nous ne pouvons même pas arriver en ce jour. D'autres sont partis innocents. À cause de la vie que tu as aujourd'hui, une personne comme toi et moi, qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu? Qu'est-ce qui est au-dessus de la vie? À part bon mituka, tu peux te dire, à part les voitures, l'élévation, l'argent, qu'est-ce qui est au-dessus de la vie? Si tu n'as pas la vie, tu ne verras pas toutes ces choses. La vie est au-dessus de toutes choses. Et il suffit que ta vie soit consacrée. Amen. Que tu sois bénéficiaire de la loi de l'exception. Ce qui arrive aux hommes, tu ne te réveilleras pas. Alléluia. S'il y a des personnes qu'on aime dans cette salle, c'est moi qu'on aime le plus. Sois dans la joie de connaître Dieu. Parce que nombreux dans ta famille ne les connaissent pas. Si tu connais Dieu, c'est la grâce. Bien aimé, mon tour est sacrifié, bien aimé. Celui qui est sacrifié, bien aimé. Il est sensible au Saint-Esprit. On peut me dire, j'entends, je crois.
Après, je pose la question au Saint-Esprit si cela est bien vrai ou faux. Parce que moi, je l'appelle mon ami fidèle. S'il ne me dit pas, il va envoyer une autre personne pour me dire certaines choses. Quand j'ai vu, j'ai entendu, on m'a dit fait comme ceci. Notre vie est une vie de sacrifice, bien aimé. C'est une vie, comme on a dit, de marcher selon les principes. Si tu ne marches pas selon les principes de Dieu, ta vie sera une vie de jalousie. Ta vie sera une vie de haine. Tu te diras, Dieu choisit des visages. On est venus ensemble avec eux. Comment ils sont bénis, je ne suis pas béni. C'est moi qui les ai amenés même ici. Comment ils sont venus, ils sont mariés, je ne suis pas mariés. Comment je les ai amenés, ils sont bénis, ce sont des hommes qui travaillent. Ils travaillent, moi je ne travaille pas, ils sont délivrés, je ne suis pas délivré. Rentre en toi, regarde-toi bien. Qui est derrière ta souffrance? Qui est derrière ton blocage, le blocage de ta vie? Rentre en toi. Bien-aimé, Jean chapitre 2. On a lu dans Jean au chapitre 2. 23-25. Dans 24, c'est là où c'est notre grand thème. J'ai lu au nom de Jésus, Jean 2, 24. Elle me déclare, mais Jésus ne s'est fié point à eux parce qu'il les connaissait tous. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Je vais dans un exemple. La parole est claire. Tu peux tromper des gens que je marche bien. Malgré que je chante, je suis saint. Malgré que je prêche, je suis saint. Malgré que je prophétise, je suis saint. Malgré que je prophétise, je suis saint. Mais Jésus te regarde et dit, je te connais. Tu fais tout, mais... Je sais que tu viens à l'église. Je sais que tu chantes. Je sais que. Mais. Tu t'es donné. On t'appelle même pas au téléphone. Tu viens tout seul tous les jours. Mais. Le mais. Annule toutes les choses que tu as fait dans ta vie. Jésus te connaît plus que toi-même. Malgré comment tu chantes. Est-ce que tu as laissé la prostitution? Malgré que tu prêches. Est-ce que tu as laissé la sorcellerie? Malgré tout ce que tu fais dans ta vie. Comme tu es dans le service des protocoles. Est-ce que tu as arrêté de voler? Malgré que tu es dans ces mariages, est-ce que tu crains Dieu dans ces mariages? Malgré toutes ces choses, est-ce que tu as arrêté de boire l'alcool? Malgré tout ce que tu montres devant les gens, est-ce que tu as arrêté de te droguer? Bien-aimé Jésus. Regarde celui qui est à tes côtés, celui que Jésus te connaît. Dis-lui, Jésus te connaît, Jésus me connaît. En secret, nous nous connaissons. On peut mentir à mon mari. Mais ça hypocrite. Que je suis hypocrite. Il dit, ma femme est bien, mais... Mais
La femme va dire, mon mari est bien, il fait tout, il me vêtit, mais... Mais moi, quoi ça? Il y a un mais quelque part. Il est dans la médisance. Il n'est pas libéral. Il s'aime beaucoup, il ne m'aime même pas. Comme Dieu est dans son endroit. Comme Dieu est dans son. Quand vous sortirez, on dit ces couples, je les aime beaucoup. Mais parle avec celui-là à côté, l'autre à côté, tu attendras quand même un mais. Mais ça va rater. Il y a toujours un mais. Dieu nous connaît bien aimé. Mais je sais qu'il vient, même si le travail finit, vient très rapidement, mais il ne donne pas sa dîme. Il ne donne pas ses offrandes. Depuis qu'il a commencé à travailler, il n'a pas donné ses prémices. Son premier salaire, bien aimé, le premier c'est à Dieu. Tu veux grandir, tu veux être un homme élevé sur le principe de Dieu. Pour que tu sacrifies ton salaire, il faut être appelé. Tu sais, tu veux seulement sauter devant un feu comme c'est fait dans notre église. Non, le fait ici. Aujourd'hui, mon salaire n'a pas joint. Ma pêche au salaire n'a rien de beau. Je n'ai pas de vie. Papa n'a eu aucun sens. Prémisse n'a pas. Après, il a un mon salaire n'a pas. Ça, on a vu un balot. Il y a qu'un des programmes progrès. Après, tu le vois, n'a eu. Il faut que mon fils prospère à tous égards. Après le confinement, tu as eu un bon travail, tu viens, tu prends ton offrande ou tout ton salaire, tu donnes aux hommes de Dieu, tu dis c'est les prémices que je donne à Dieu. Laisse que Dieu puisse garder ma famille, garder mon travail pour que j'avance. C'est à cela que tu vas prospérer à tous égards, comme le dit la Bible. Dieu nous connaît. Avant que tu aies ce travail, tu as dit, Dieu bénis-moi. Partout où je rentrerai mon dossier qu'on me voit. Qu'on m'accueille. Tu as associé Dieu. Mais quand tu as eu ton salaire, tu connais ta famille, tu connais ton papa, ta maman, tes frères et sœurs, et à eux tu as donné de l'argent. Dieu nous connaît. Demain, quand cette compagnie va fermer, cette entreprise, tu redeviens chômeur, tu reviens à l'église. Qu'est-ce que Rabbi tu as dit? Le chômage me dépasse. Quand tu travaillais, est-ce que tu étais fidèle à la Bible? Je vais faire un petit examen. Depuis janvier jusqu'aujourd'hui. Jusqu'en juin. Qui est fidèle à sa dîme? Pendant le confinement, tu as mangé. Que Dieu bénisse ceux qui ont levé leurs mains. Que Dieu qui m'a appelé vous bénisse. Ils ouvrent les portes qui étaient fermées. Regarde, est-ce que vous pouvez lever vos mains, je vais vous compter. Toutes les places, il y a ces quatre personnes. Si Dieu est venu aujourd'hui, mais, ça va être écrit sur les noms. Tu peux dire, moi je travaille où? Comment tu t'habilles? Comment tu manges? Comment tu achètes des camels? Tout ce qui passe par tes mains, tout ce qu'on te donne, dit héros, enlève un héros, donne à Dieu. Tu
La dîme ne vient pas seulement quand tu auras 1000 euros. Dans toutes ces petites choses, sois fidèle aux petites choses pour que Dieu t'élève et te donne des grandes choses. Donc, on a ça la difficulté, il y a un peu cette dîme et il y a un peu un bon. Depuis 1500 ans, il y a un peu de moko, il y a un peu cette dîme et il y a un peu de moko. Il y a un peu de moko. Même si tu as des difficultés de donner de l'argent, sors même tout ce que tu as, viens donne à Dieu et Dieu te connaît, Dieu te les rendra. Parce que lorsque tu as l'argent, tu manges et la mangue avec son noyau. Mais prends toute la mangue, ramène à l'église, au lieu de manger un petit peu et ramener que le noyau. Il veut bénir quelqu'un, les hommes se retiennent eux-mêmes. Je ne vais pas prophétiser, je vais seulement dire ces choses. Je sais que pour que tu dises amen, ça sera difficile, mais il faut que je te le dise pour ton bien. Bien aimé, on dit ces choses en connaissance de cause. Si notre vie est arrivée au niveau où nous sommes, on a planté dans les déserts. Quand même les gens disaient ça, si tu le donnes à l'église, ton mariage est fini. Qui ne risque rien. Bien-aimé. Bien-aimé. Je vous dis, ma vie est une vie de sacrifice. Je n'ai jamais prié sans donner l'offrande. Il faut que tu associes chaque prière à une action de grâce. L'action de grâce ouvre les écluses. D'ici là, prière n'a eu souki, offrande n'a eu au gars. Là où ta prière est finie, ton offrande va crier. Amen. Je vais donner mon petit témoignage. Pasteur m'a passé à ma vie quand j'étais à l'hôpital. J'étais cassé de la hanche, fracturé. J'ai connu un accident où ceux qui étaient de part et d'autre, à gauche et à droite, sont morts et moi, ma hanche a été cassée. Mon pied était devenu tellement court parce que, à cause de l'accident que j'avais connu. Tout le monde disait que je ne pouvais plus me mettre debout, je roulerais avec une chaise. Quoi. Je pesais 90 kilos. On a suspendu mon pied tout en haut. Ne ris pas, pasteur. Tu es resté comme cela. Tu as des blessures au dos, partout. Parce qu'on doit redresser ton os pour que le pied redevienne normal. Bien aimé, c'est un long témoignage, je l'ai coupé. À l'hôpital, j'ai tout vu, je suis même rentré en bois. J'ai vu les personnes qui étaient dans cette chose. Quand je suis sorti, j'ai pleuré. J'ai vu les gens tout autour du lit plus prier pour moi. J'étais fâché contre eux toute la semaine.
Pourquoi vous m'avez fait retourner? Parce que là où j'étais bien. Les anges m'ont accueilli, j'étais bien vêtu. J'ai prié en langue, j'ai chanté en langue. J'aime pas donner ce témoignage. Je me suis vu, les pieds suspendus, la tête en bas. J'ai laissé injurier même. Qui vous a appelé même? Mais Dieu, par sa grâce, j'ai vu une voiture blanche dans les comas venir me prendre et me ramener. Je ne savais même pas que j'étais sur ces lits. C'est à mon retour que je me rends compte que j'étais sur ces lits. C'est-à-dire que Dieu, on ne le fuit jamais. Si t'aimes, il t'aime. Dans cet accident, là où il y a la voiture qui est vraiment totalement accidentée, on dit qu'il n'y a personne qui peut sortir de vivant ici. Mais exceptionnellement, je suis sorti de cet accident vivant. Je n'avais pas de blessures nulle part sur mon corps visiblement. Seulement la hanche qui était fracturée. Le sang sur tout le corps. Je suis resté à l'hôpital, ils sont venus. J'ai demandé qu'on puisse bouillir déjà de l'eau pour la semoule. J'ai retourné du travail, j'ai connu cet accident et puis j'ai donné de l'argent que j'avais, revenant du travail, donné de l'action de grâce au pasteur. La personne à qui j'ai donné cet argent a pleuré. Tu es dans un problème, tu donnes encore de l'argent pour me donner. Il y a les ordonnances, les radios, toutes ces choses. Je lui ai dit, Dieu m'a dit de remercier Dieu en toutes circonstances. Je suis resté un mois à l'hôpital, bien-aimé. Dans cette position, on m'a regardé. Je suis retourné à la radio. On dit qu'on ne comprend pas comment cet ange est devenu à la campagne. On a regardé la photo d'avant. La photo d'après. 30 jours. Ils disent, même avec ton âge, on ne comprend rien. Avec le poids même que tu as. Mais l'os est retourné comme un poids bébé. Il faut que tu sors. J'étais sorti avec des béquilles quand même. Pour mettre mon pied jusqu'à terre, c'était difficile. Je suis sorti, Dieu m'a dit, comme tu es en train de sortir, tu vas mettre ton pied à terre malgré que tu as mal. Tu ne retourneras pas en kiné. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas connu. Dieu a envoyé ces gens pour me faire la kiné. C'est pourquoi quand j'ai mis mon talent, je ne me pose pas la question pourquoi tu l'as mis. Je l'ai mis exprès parce qu'on m'a dit que je ne vais pas le mettre, je l'ai mis exprès. Pour que le diable ait honte. Bien aimé, je te dis que Dieu m'a dit tu n'as fait que 3 jours à l'hôpital.
Tu portais la croix comme ton pied était suspendu. Tu es resté 3 jours et tu es ressuscité. Et je t'ai fait passer par le feu. Maintenant, je t'appelle, moi, ma servante, pour travailler. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu m'a gardé pour que je le voie. Il a disparu. 22 ans plus tard. Après 22 ans, je le vois. C'est aujourd'hui que je l'ai vu. Il a cru que j'étais morte, mais je suis en vie. Bien-aimé, la joie est de bien, ok. Je vous dis bien-aimé. Ceux qui ont été à Kinshasa connaissent les pasteurs Kondo Akoni. Lui, quand tu l'appelles pour prier pour toi, avant même de prier, il te pose la question si tu donnes ta dîme. Oh, papa, la mon père est malade, est-ce que ton père paye sa dîme? Même s'il prie à l'église catholique, est-ce qu'il donne sa dîme à l'église catholique? Si tu lui dis qu'il paye sa dîme, c'est à ce moment-là qu'il va lever sa main et prier Dieu qui te bénisse. La dîme protège ta vie, protège toutes tes choses, ton travail. Tout ce que tu vas toucher sera protégé par la dîme. C'est le droit de Dieu. Ceux qui ont tenté Dieu, prouvé Dieu, ont vu Dieu dans leur vie. Bien-aimé, je vous dis que je suis un témoignage vivant. J'avais un mari qui ne voulait pas que je travaille. Mais il me donnait beaucoup d'argent pour acheter des choses. J'ai payé ma dîme avant d'aller au grand marché. J'achète tout ce qu'il m'a demandé, je ramène à la maison. Jusqu'à ce que lui-même va dire, je vais te chercher du travail. Quand il m'a cherché du travail, j'avais déjà mon travail, il prenait l'argent, mais il achetait toutes choses, mais il ne me donnait même pas cet argent. Il me disait toujours que tu as encore du travail. J'ai payé toujours ma dîme avec le peu que j'avais, malgré que je ne travaille pas. Lorsqu'on va dire contrôle physique, les contrôles des aptitudes. Les enfants écrivaient que maman était fonctionnaire, mais maman était à la maison. C'est après qu'il va justifier beaucoup de choses, que j'avais des enfants, j'ai accouché, mais c'est lui qui avait l'argent quand j'ai rencontré le chef. Je vous dis que j'avais plus de salaire que mon mari. C'est lui qui travaillait. Vous pouvez croire que je suis en train de raconter des histoires, mais ouvrons nos Bibles dans Malachie 3, le chapitre 10 à 12. 8 à 12. Malachie 3, 8 à 12. J'ai lu la parole de Dieu, la Bible déclare. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison.
Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. C'est la parole qui dit, bien-aimé, si tu éprouves Dieu, je me suis retrouvé au Parlement, que je n'ai même pas cherché. Tel que vous me voyez là, j'ai des salaires. Parce que je suis fidèle à la Bible. Je suis fidèle en action de grâce aussi. J'ai 7 enfants. 6 sont en Europe ici. J'ai donné le coffre de mes bijoux, j'ai donné. Les enfants venaient, on les refoulait, les rapatriait. Quand j'ai dit que ma prière s'est limitée quelque part, j'ai donné le coffre de mes bijoux à Dieu. Tous les enfants sont en Europe, ils sont 5 à Londres, 2 en Italie, 3 à Londres, 2 à Italie, 1 ici. Je sais que les portes se sont ouvertes. Avant qu'il envoie déjà ses enfants, il faut envoyer tous ses petits frères de son mari. Comme il s'est entêté. On lui a bouffé tout l'argent chez les gens. Quand j'ai vu que j'ai un Dieu vivant, je suis rentré en prière avec les enfants. J'ai donné mon offrande et Dieu l'a créé comme une offrande à perpétuité. Celui qui est resté en Afrique est resté parce qu'il s'est marié. Mais eux tous, les portes se sont ouvertes, le chemin se sont ouvert. Les offrandes crient, bien-aimés. Les offrandes bénissent. L'offrande délivre même. Ils étaient condamnés. Même un féticheur pouvait venir pour... qu'il puisse tenir tête. Si cet enfant aura des papiers, ils ont des papiers, ils sont en paix maintenant. La joie de ce miracle est bien aimé, sauf pour Zalibo, pour ça la sacrifice était. Bien aimé, je te dis, si tu ne sacrifies pas, celui à qui j'ai donné des bijoux a vendu, a acheté une Jeep. Il a eu peur. Il dit, si ton mari venait ses bijoux, ton mariage sera fini. Jusqu'à ce qu'il est parti enterré, il n'a même pas posé la question sur ses bijoux. Alléluia. Et Dieu n'écoute pas les gens. Avance, maman. Toi, tu es seulement Dieu a dit. L'oncle a dit. Est-ce que ton oncle plus que Dieu? Ta tante est plus que Dieu? Ou ton mari est plus que Dieu? Ou ta femme est plus que Dieu? Écoute, Abraham est parti avec Isaac. A-t-il un problème? Mais, le problème,
Je sais que ça te créera des problèmes, mais Dieu touchera les lèvres de cette personne pour lui dire de ne plus dire mot, parce que c'est Dieu qui t'a recommandé ces choses. Marie a risqué. Marie aussi a risqué. Elle a porté une grossesse qui n'a pas de parents. C'est Dieu qui allait dire à Joseph d'accepter cette grossesse. On l'a appelé justificateur par excellence. Si tu l'obéis, il ne te laissera pas. Toi, tu es, ils diront. Ils ont dit, on va les laisser parler. Les Samaré, les Tobija, il y en a partout. Qu'est-ce qu'ils montrent? Je montre la divinité. Je montre la divinité à Dieu. Celui qui est en moi n'est pas en toi. Tu me dépenses en taille, en poids, mais moi je te dépense en chrétienté. Bien aimé, je te dis ce matin, si tu n'obéis pas à Dieu, ta vie sera un échec en échec. Mais si tu obéis à Dieu, ta vie aura une valeur. Ceux qui t'ont connu ne pas avoir de valeur. Ils te disent, connaîtront ton adresse. On t'appellera pilier de la famille comme on a appelé Jephté. Parce qu'on l'a rejeté, parce que c'est un enfant. Ne regarde pas comment tu es venu dans le monde. Je connais la circonstance dans laquelle tu es venu. Obéis à Dieu. Suis Dieu. Attache-toi à Dieu. Dieu ne te laissera pas. Job a dit, mon rédempteur est devant. Amen. Il se réveillera le dernier. Alléluia. Il se lève le dernier dans la vie d'une personne. Il ne vient pas avant. Il ne vient pas en retard. Il vient au moment où tu dois savoir que tu as réponse. C'est à ce moment où les gens, des fois, ils finissent que Dieu vient. Attache-toi à Dieu, bien-aimé. Donne des actions de grâce à Dieu. Psaume 50, 14, 15. Psaume 50, 14 à 15. Dis la parole de Dieu. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Le verset 23. Amen. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Amen. Zabavo est bien aimé. C'est Dieu, un Dieu comme ça. Nati kayana kana nana. Le laisser pour m'attacher à qui? Maman na yo boko wa na yo. Ta mère peut te réunir aujourd'hui. Papa na yo boko wa na yo. Ton père aussi. Mais Dieu jamais. Zabavo ya ta eloko nyonso leki na maboko na ngai fona ka bolana. Un Dieu comme ça, tout ce qui passe par mes mains, je dois le partager avec lui. Bien aimé Anne a lela ka mwana. Bien aimé Anne a pleuré Dieu. A pleuré pour avoir un enfant. Elle a cherché à avoir un enfant. Quand elle a fait un vœu, et cet enfant que tu vas me donner, je vais le consacrer à toi. Anne a accouché Samuel. Bien aimé, ta situation perdure parce que Dieu ne voit pas son intérêt. Ton problème perdure parce que Dieu ne voit pas son intérêt. Je vais me marier. Je vais coucher, avoir des enfants. Quand tu vas te marier, tu auras des raisons. Mon mari aime manger la prière. Il n'y a pas moyen que je vienne à la prière. Quand vous êtes dans un pays où il fait froid,
Ces enfants avec la toux à l'hiver, je ne peux pas sortir avec elle. Leur papa n'aime même pas. C'est Dieu qui t'a donné ces enfants, ne savait pas qu'il y avait l'hiver. Dieu ne savait-il pas que ses maris aimaient bien de la semoule chaude? Dieu cherche son intérêt. Donne-moi tes enfants. Jusqu'à cet territoire. Vous étiez à la prière, vous êtes rentré. Demande déjà les mariés. Ne rentre pas déjà et puis poser la question. Qu'est-ce que tu lui as demandé bien avant? Ces enfants n'écoutent même pas, ils ont la sorcellerie. Ils ne viennent pas à la prière. Dit que l'on puisse les délivrer dans le froid là-bas, ils ont la sorcellerie. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Dieu est quelqu'un d'intérêt. Dieu est tellement bon, bien-aimé. Dieu guérit-moi de cette maladie. Quand tu es guéri de cette maladie, Dieu se retrouve en quoi? Tu ne chantes même pas. Tu ne te lèves même pas pour faire les services de protocole. Tu as mal au sang. Tu n'arrives même pas comme tu es assis là. Les patients n'ont plus de mousseau. Il a pris de mousseau. C'est toi qui n'as plus de force parce que tu ne veux pas t'élever, servir Dieu. Toi, tu n'es pas fidèle à Dieu. Il faut qu'il y ait une rencontre d'onction, l'onction de sa vie et l'onction de la main de l'homme de Dieu. Notre pasteur d'avant priait vraiment quand il se lève pour ton problème, tu as la solution. Mais ce pasteur n'arrive pas, il n'a pas d'onction. La main de Dieu n'est pas courte. C'est ton péché qui te sépare de Dieu. Obéis à Dieu, tu verras la main de Dieu. N'obéis pas au pasteur. Obéis à Dieu plutôt. Quand tu obéis au pasteur, quand il va tomber, tu tomberas toi aussi. On connaît ces choses. On a suivi les gens. Tu suis quelqu'un, tu attends après qu'il était sorcier, tu le regrettes. Tu regrettes les mains qu'il a imposées sur toi. On était avec lui dans des retraites et des veillées. Dans la forêt, lui et moi. Suis Dieu, c'est pour cela. Attache-moi à Dieu. Tu vas te retrouver si tu as Dieu. Si tu suis le pasteur, tu seras déçu. Si tu suis la maman prophétesse, tu seras déçu aussi. Quand tu entendras qu'elle prophétise avec son, elle a quelque chose sous sa langue. Elle travaille pour Dieu, tu regrettes, ce n'est pas Dieu, c'est pour Satan qui travaille en elle. Mais attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu qui est la vérité, c'est lui qui est la vérité. La vérité qui est dans sa parole. La vérité de Dieu dans sa parole. Demande que le Saint-Esprit te révèle les choses cachées. Comme Jérémie l'a dit dans Jérémie 33. Que ce soit ton verset, invoque-moi. Je te montrerai les choses cachées. Amen. Il te montre les choses cachées.
Dieu t'aura déjà convaincu, t'aura déjà dit, même si le pasteur viendra ajouter à toi. C'est le témoignage qui viendra rajouter. Même si le prophète ou la prophétesse venait, Dieu t'a déjà montré en rêve. Toi, tu as laissé Dieu. Tu ne suis que la moi prophétesse, le prophète. Tu appelles le pasteur, tu dors. Moi aussi, je n'ai pas de problème. Il ne décroche pas son téléphone à tout moment. Il ne sait pas, les autres peuvent mourir du corona. C'est un homme aussi. Mais Jérémie 33:3. Ce téléphone-là, ça ne t'éteint pas, ça ne t'éteint jamais. Même si tu es dans l'eau, tu n'as pas de téléphone, tu vas le téléphoner, il va te décrocher, il va te secourir. C'est lui qui a sauvé Daniel. Il est en toi aussi. C'est lui qui est avec Meshach, Shadrach, Abednego. Il est aussi en toi. Il suffit que tu marches dans le principe que la parole de Dieu devienne à toi. On a lu Esaïe. On a lu Joseph. On a lu Daniel. C'est aujourd'hui, c'est moi aussi. Daniel est passé. Joseph est passé. Même si tu as donné ce nom aux enfants, mais aujourd'hui, c'est toi. C'est ton temps pour qu'on dise que ton avis. Dieu a travaillé aussi en elle. Toi, tu resteras seulement à l'abandonner les enfants et toi. Tu peux aussi accoucher par la vertu du Saint-Esprit. Tu peux aussi avoir un enfant et laisser à l'église. Quand seulement pas Anne. Cette Bible, on l'a écrite pour nous tous. Christ est mort pour nous tous à la croix. Que personne ne te fasse peur. Le voie, la croix du temple est déchirée. Le pasteur entre moi aussi, j'entre. Tout le monde est libre. L'intercesseur entre moi aussi, j'entre. L'entrée est libre pour tous. Amen. Cherche Dieu en secret toi-même. Que Dieu devienne ton Dieu. Il est le Dieu de tout le monde, de François, de Béni, de Joseph, de tout le monde. Il est aussi ton Dieu. Que tu aies ton propre témoignage aussi. Il a fait avec Anne, mais que nous puissions aussi témoigner nous aussi aujourd'hui. Dorcas a donné, elle a été ressuscitée d'entre les morts. Pourquoi moi je donne et je ne vois pas la réussite de mes choses? Je donne. Demande à Dieu, il va te répondre. Peut-être là où tu sèmes, la terre n'est pas fertile, il va te montrer. Sème le matin, sème le soir, sème par-ci, par-là. Depuis que tu as donné cette chaise en janvier, jusqu'en décembre, tu manges, tu t'habilles, tu changes ta garde-robe. Mais pour Dieu, tu attends décembre. C'est lui qui a appelé. Dieu lui-même a donné son fils, il nous a parlé. Mais Christ est notre modèle. Il s'est donné en sacrifice. Et toi, moi, je n'aime pas que ce protocole. C'est peut-être le jour où tu te mettras devant. Que Dieu te verra. Mais tu aimes toujours t'asseoir derrière. Le Saint-Esprit convaincra le protocole de te mettre aujourd'hui devant toi.
C'est le jour de ta bénédiction où le prédicateur passera, imposera les mains, où tu seras visité. Mais toi, comme Dieu te connaît, toi, tu m'emmènes où? Moi, je me mets là au coin. Là, tu n'es plus au protocole. C'est-à-dire que tu ne connais pas Dieu. Tous les jours n'est pas dimanche. Amen. Ta délivrance peut être mardi. La sainteté, c'est seulement dimanche. Quand tu ne provoques pas le dimanche matin, tu ne sais pas quand est-ce que Dieu te visitera. C'est seulement les jours où l'ange a prévu de te visiter que tu restes là dans ton bureau, le pasteur m'a passé. Je ne sors pas. Je ne sortirai pas. Tu ne sais pas, c'est ce jour-là que l'ange est venu pour te donner la réponse à ces choses que tu as priées depuis longtemps. Arrêtons l'orgueil devant Dieu, bien-aimé. Arrêtons l'orgueil devant Dieu. Ne sers pas Dieu avec orgueil. Tu fais de l'orgueil à une personne que tu ne vois même pas. Si c'est lève et que gorge, lui aussi, j'en ai marre, je n'ai pas aujourd'hui. Quand l'enfant a une crise, tu appelles le pasteur. On était seulement assis à la maison et la chose est arrivée. Je n'ai rien fait, mais Dieu a vu. Tu prêches et les choses se passent. Tu commences à t'enorgueillir du fait que Dieu t'utilise. Tout ce que tu as vient de Dieu. Tu regardes, tu loues Dieu, tu bénis Dieu. Tu m'as fait arriver jusqu'aujourd'hui. Je commence à être aussi avec les députés. Tu rentres dans sa pelle aussi. On est sur le même chemin avec les honorables. Ils sont entrés, moi aussi je suis entré. Il est Dieu. Maman, on t'a vu à la télé. Est-ce que tu es aussi honorable? Oui, Dieu m'a placé là-bas. Tu veux seulement ceux qui ont bâti campagne? On bat campagne, nous, chez Dieu, le soir. C'est honorable pasteur. Oui, elle est pasteur. Ça, c'est Dieu. Ce que Dieu fait dépasse les hommes. Tu deviens conseiller du président Macron parce que la tête. Dieu va t'étonner par ce que tu fais parce qu'il passe par des personnes pour il te faire passer avec les bien. Les promesses de Dieu ne sont pas finies. Crois devant Dieu. Que Dieu te bénisse. Ne te minimise pas. Je suis grand. Regarde comment je suis devenu belle. Il y a des choses ici, chantez-les. Elle a des nanas pour lui, ma bouche.
Et lui, il est prêt, lui, nous fait descendre sur toi.